Oh, bonjour à tous, bonjour Fred. Voilà, me voilà, je m'appelle Christophe Louis, plus connu sous le nom de Bob. Donc je suis moniteur de kitesurf et je vais faire une petite chronique dans Force 4 toutes les semaines pour aborder les thèmes du kitesurf. On va parler aujourd'hui du kitesurf et on va aborder au cours des émissions toutes les phases, les phases de l'apprentissage du kite, et on va parler aussi sécurité. On va aborder un petit peu tous les thèmes qui se rapportent au kitesurf et à son apprentissage. Alors, qu'est-ce que le kitesurf? Ben, le kitesurf, c'est une activité nautique, hein, ça se pratique donc sur l'eau, mais pas que, puisque une fois qu'on a la maîtrise du kite, c'est-à-dire du cerf-volant, une fois qu'on a la maîtrise du cerf-volant, on peut l'utiliser pour se déplacer, que ce soit sur la mer, sur la terre ou sur la neige. Donc, on a tout un panel d'activités liées au kitesurf. Et en premier lieu, pour pratiquer le kitesurf, ben, je vous conseille vivement de prendre des cours, donc de rejoindre une école. Et pourquoi pas B&Bob Kiteboarding. C'est précisément mon école de kite que j'ai ouvert déjà depuis la saison dernière. Tout le monde est capable de faire du kite. Il n'y a pas de minimum requis au niveau capacité physique, dans la mesure où on est en bonne santé. Tout le monde peut aborder le kitesurf. Pour exemple, je prends les ados à partir de 12 ans. Faut peser à peu près 40 kilos. N'apprenez jamais le kite avec des amis. On a été, nous, moniteurs formés pour aborder, ben, tout ce qui est sécurité, surtout passer par une école. On ne le dira jamais assez. Les déroulements des cours, donc ça se passe sur 4 jours en général. On va revenir en détail sur grosso modo les quatre jours. Alors chacun, sachant que chacun évolue à sa fa à son rythme, hein, bien évidemment, à son rythme. Il y a des gens qui ont plus de feeling que d'autres et qui vont arriver à avoir des premières sensations dès les premiers jours. En général, c'est ce qui se passe au bout du deuxième jour, voire même du premier à la fin du premier jour. Mais plus généralement, au bout du deuxième jour, on est déjà dans l'eau en train de piloter son kite. Moi, pour ma part, ce que j'utilise pour tout ce qui est théorique, c'est cet instrument. Voilà, cet instrument, c'est la casse-kite. La casse-kite, donc, je me suis inspiré d'un ami à moi. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas de moi, c'est un pote, donc salut Patoche au passage, qui a inventé cet ustensile. Donc, avec une casquette, une visière de casquette, j'ai monté un bridage avec tout ce qui est nécessaire à l'apprentissage du kite. Et dans un premier temps, ben, le premier jour, qu'est-ce qu'on fait? On pilote d'entrée de jeu, on pilote du cerf-volant. On pilote du cerf-volant. J'ai des petits traîneurs, on utilise des traîneurs, c'est-à-dire des petits cerf-volants petite surface. Donc en général, c'est 1,5 m à titre de comparaison. Après, quand vous allez utiliser le kite, ça peut aller jusqu'à du 14 m². Donc là, c'est vraiment un petit kite. 1,5 m pour apprendre les gestes, les principaux gestes du kitesurf, à savoir je pilote mon kite comme un guidon, puisque j'ai une barre de pilotage. J'utilise une barre de pilotage, donc le kite se déplace avec un différentiel de ligne. Donc pour créer ce différentiel de ligne, j'agis sur la barre en faisant un mouvement de guidon. Donc, on vient de parler de la barre de pilotage. Donc, voici une barre de pilotage. Donc, ça se présente comme ceci. Les lignes, généralement 24 mètres de ligne entourées autour de la barre pour la ranger. Donc, ici, c'est une barre qui a été rangée. Ça se présente comme ceci. Donc, on retrouve bien notre ici ce qu'on appelle le bord déchoqué, hein. C'est sur cette partie que la barre va coulisser. On verra plus tard à quoi ça sert. À quoi ça sert cette partie. Un code couleur sur la barre, donc un code couleur avec du rouge et une autre couleur. On retrouvera toujours du rouge, donc ça c'est commun à la marine, à l'aéronautique. On retrouvera toujours du rouge à gauche, ou du moins une couleur chaude à gauche.
Et de l'autre côté, il peut y avoir du vert, du jaune, toute autre couleur. Principalement du rouge à gauche. Ça, c'est un repère qu'on a sur toutes les barres de kitesurf. La barre de kitesurf, elle se présente comme ceci, avec les lignes au bout, on en a parlé. Et puis, donc pour illustrer ce que j'ai dit précédemment, au niveau du pilotage, donc on tient sa barre comme ceci, et puis on va vraiment faire le mouvement du guidon, d'accord ? Le guidon pour créer un différentiel de ligne pour que le kite puisse aller à gauche et à droite. Ici, j'utilise un différentiel pour droite, gauche, pour diriger mon kite. Mais si j'utilise le volant, si je fais le volant, ça a pour incidence de croiser les lignes. Et donc, le kite ne répondra pas aux instructions. Au bout d'une heure, on va déjà passer sur un vrai kite. Alors, personnellement, j'utilise des kites terrestres. Donc, on utilise pour le snow kite. Donc, c'est des kites qui ne sont pas des kites gonflables, pas des kites marines. C'est des kites à caisson. Donc, on peut comparer, on peut aller faire une grosse comparaison avec un parapente. Donc, c'est un kite qui est suspendu avec beaucoup de suspente et qui a l'avantage, quand il tombe, de se tomber en chiffon. Donc, ça évite aussi d'abîmer du matériel quand on est débutant. Mais ça reste quand même un vrai kite, puisque là, on est dans du 4 lignes. 4 lignes de kite. Pourquoi 4 lignes? Parce que, contrairement à ce qu'on a utilisé tout à l'heure au niveau du trainer, le trainer avait simplement 2 lignes reliées à l'extrémité de la barre. Donc, deux lignes avec le rouge et le vert, ou l'autre couleur. Et on était en pilotage direct du kite. Donc, c'est-à-dire que les lignes étaient complètement tendues et on avait une réponse directe du kite. Donc, sur le kite, la deuxième partie, sur le kite, on va dire terrestre, 4 fils. Vous voyez, on a 4 fils ici sur un kite. On a les lignes avant, là ici, et les deux lignes arrière qui sont reliées à la barre. Ici, je vais accrocher le stagiaire avec son harnais au bout du kite, et le stagiaire va commencer, après seulement 2 heures de pilotage de kite, va commencer à avoir les premières sensations de traction sur la plage. Donc, en général, j'utilise du 6 mètres carrés qui peut voler dans 6 nœuds et avec déjà des sensations de traction dans le harnais, et en même temps possibilité de pilotage et d'exploiter la fenêtre de vol. Donc, la fenêtre de vol, c'est l'endroit où le kite se déplace et vole et génère de la traction. On peut s'imaginer un quart de sphère, voilà, avec devant nous différentes zones dans ce quart de sphère, différentes zones qui correspondent à différentes zones de, on va dire, puissance, puisque le kite quand même développe, on parle de puissance, mais en général, en réalité, c'est de la traction, puisque on est ici accroché au harnais sur l'anneau, et la fenêtre de vol, donc c'est un quart de sphère ici qui va de gauche à droite et devant, et qui s'arrête à cette position qu'on appelle le zénith. Le zénith, c'est une position d'attente qui ne génère pas de traction. Donc, comme lorsque le kite est à droite, en bord de fenêtre, ce qu'on appelle en bord de fenêtre droit, zénith, bord de fenêtre gauche, ici, le kite, dans toute cette zone-là de la fenêtre de vol, ne génère pas ou très peu de traction. D'ailleurs, c'est cette zone-là, le bord de fenêtre droit et le bord de fenêtre gauche, que nous utilisons pour décoller le kite ou l'atterrir. Voilà. Donc, c'est une zone sécure. C'est une zone safe. On a ensuite, plus on va aller dans la fenêtre de vol et dans la demi-sphère, et plus le kite va générer de la traction combinée à la vitesse de déplacement du kite. Donc, plus le kite va bouger rapidement et va traverser ce qu'on peut dire une espèce de cible imaginaire en plein milieu de ce quart de sphère, plus le kite va passer dans cette cible imaginaire, plus la traction du kite va être importante dans le harnais. Et là, il va falloir que le stagiaire gère ici, au niveau de là-bas. Autre chose très importante, donc en école de kite,
on essaye de déconstruire les réflexes humains, puisque le réflexe humain, donc c'est des réflexes reptiliens, le réflexe humain veut que dès que ça tracte un peu, dès qu'on se sent en danger, dès qu'on se sent en danger, on a le réflexe de s'agripper. Or, si on s'agrippe à la barre de kite, qu'est-ce qui se passe? Donc la barre, on l'a vu tout à l'heure, mais je vais le réexpliquer, coulisse le long de ce qu'on appelle le bord des choquets, hein, donc c'est un terme de voile, on est bien dans de la voile. Je borde, donc je tire sur la barre, ça modifie l'incidence de mon kite, je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Donc quand je tire sur ma barre, ça modifie l'incidence du kite, et on peut imaginer que l'air va pousser l'intérieur de l'aile, et donc on va avoir une résistance beaucoup plus importante que si on lâche, c'est-à-dire si on choque, pour utiliser un terme de marin, si on choque la barre, voyez, le kite se met et les flux d'air sont parallèles au kite, et qui nous aide à neutraliser le kite. Donc la première des sécurités en kite, c'est je lâche ma barre. Donc quelque chose se passe mal, première des sécurités, je lâche ma barre, et le kite va naturellement tomber par son poids sur le bord de fenêtre droit ou sur le bord de fenêtre gauche. Voilà, ça c'est la première des sécurités, on vient d'aborder. Donc en école, c'est vrai qu'on déconstruit un petit peu le réflexe, donc c'est-à-dire que si on se sent en danger, au lieu de s'agripper, eh bien on lâche tout simplement la barre. Voilà, ça c'est la première des sécurités. On abordera les autres sécurités un petit peu plus tard au fil des émissions. Et donc avec ces premiers conseils, le stagiaire va pouvoir piloter son kite. Donc on a dit que c'était un kite terrestre, donc un kite à suspente, un kite à caisson, va pouvoir piloter sur la plage son kite et se faire déjà tracter sur le sable. Et c'est là qu'on va engager différents exercices sur le sable, puisque déjà le kite, hein, c'est à la base, on installe son kite, on monte son kite, on déplie ses lignes sur la plage, donc le kite démarre sur la plage. Donc là, le stagiaire va être progressivement, va se mettre progressivement en confiance pour pouvoir piloter, pour pouvoir avoir de la traction, pour pouvoir déjà avoir des premiers ressentis sur le sable. Voilà, on va utiliser du déplacement, on va utiliser de la décentralisation, c'est-à-dire que je vais demander au stagiaire de ne plus regarder son kite, donc que ce soit du pilotage intuitif, et au fil du temps, je vais corriger progressivement les erreurs parasites, pour avoir un geste parfait, pour pouvoir profiter pleinement du kite. C'était la première de B&B Kiteboarding en live sur Canal Carnot et dans l'émission Force 4. Merci de m'avoir suivi, j'espère avoir été assez clair dans mes interventions. Au fil des émissions, nous allons progresser donc dans l'apprentissage du kite. Je rappelle que les conseils que je donne ne remplacent pas le fait de prendre des cours en école, ce qui est très très important. Et pour ma part, B&B Kiteboarding vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et vous dit à la semaine prochaine.